Alors le numéro 48, tournons les pages pour atteindre celle de ce 48. Le Musigny, présenté par Jean-Marie Prost, l'œnologue, champion du monde. Eh oui, ça c'est des choses, des métiers qui nous intéressent beaucoup. Allez, on va marcher. Marchons 11 pas, comme le dit François Goriot, qui pourtant lui a l'habitude de marcher au trot. Un fils d'Anziléro et fait magique par Phantom Breeze. La belle souche, oui, c'est comme les balzanes blanches, hein. On a rarement vu des balzanes bleues. Hein. Et, oula, oula le pédigré là. Oh là 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 là, ça du pédigré. Le Musigny, qui est encore en France, mais qui va sans doute traverser la Manche bientôt, comme tous les grands vins. Car c'est le frère de Grand Cru, gagnant de groupe 1, mesdames, messieurs. Seamus Murphy, que fais-tu? C'est aussi le frère de Geoffrey Chambertin. 8 victoires, gagnant de groupe 3. Et c'est le neveu de Altip et Alco. Altip, le prix André Michel, l'histoire de l'époque, désormais groupe 3. Alco, gagnant du Scottish Grand National. L'un des meilleurs, meilleurs pédigrés du catalogue, le numéro 48, mesdames, messieurs. Un pur sang, le frère de Grand Cru et Geoffrey Chambertin, par le regretté Anziléro, qui fit la monte à l'époque de sa conception il y a 3 ans. Ouara Denki, Anziléro, la mère est par Phantom Breeze. 48.